deze unieke gebeurtenis. Ik heb echt plezier op dat papaar. Ik heb echt veel plezier. Madame. Vous m'en prie, je pense que vous êtes venu à propos de vous. Je vais aller en train de faire un peu de temps. Si, c'est bon, merci. Bon, Christian. Merci. Je vais le faire. Wie ze moeten inbegeerst van de kern van de Senaat. De mensen. Anders moeten ze zitten van kregen. Ik heb gezegd, ik heb een plan. Ik heb gezegd, ik heb een plan. Ik heb gezegd, ik heb een plan. Thank you.
Thank you.
ne cycle pas au haut de l'escalier, on ne sait pas passer. Thank you.
Majesté, en 10 ans, Eric Lénini est devenu un des pianistes les plus talentueux de la scène jazz internationale. Né en 1970, d'un père guitariste et d'une mère cantatrice qui sont parmi nous, Eric Lénini est au piano dès l'âge de 6 ans et passe son enfance entre Bach et Puccini. Dès les années 80, il découvre de nouveaux horizons musicaux et se laisse prendre au jazz. C'est le début d'un brillant parcours qui le mènera à New York. Bei seinen Terrücker in Europa stell heißen Talent den Dienste von den größten Namen aus der Franzer Varieté-Welt, so als Serge Reggiani, Henri Salvador und Claude Nougaro. In dieselbe Periode wird er zum Pianolehrer benannt in der Abteilung Jazz an dem Königlichen Konservatorium von Brüssel. In 2005 sieht er sein Talent bekrönt mit dem Golden Django, le Django d'Or. So hoort hij op 35-jarige leeftijd reeds bij de gevestigde waarden van de Europese jazz.
C'est une composition de j'ai la chance d'être une région très jolie, je profite d'être dans la forêt parce que j'appartiens à une région très belle. Je ne connais pas la famille du Mont, c'est très joli. Dans le sud, je suis sur la frontière près de la France. C'est la région de Mont. Pour acheter notre centre de la forêt, qui est très verte, parc naturel et de très belles couleurs. Donc, dans pas de temps, de belles couleurs dans la famille, de cette famille. Je sais.
Elle est très sympathique. On parle de l'équipe aussi. On parle de l'équipe. Un goût de spreker et Frédéric Comberlin. Een zeer goede spreker 2. Een uitstekende spreker 1. En die beste. Dus ik zal niet goed zijn wat mij. Voilà. Moi, nous avons le programme de l'Europe qui nous a inventé nos rachats. Sire, mevrouw Koninklijke Hoogeden, meneer de kardinaal, meneer de nuncius, mevrouw de voorzitter van de Senaat, meneer de eerste minister, dames en heren in uw ambten en hoedanigheden, waarde collega's, geachte dames en heren. Wij zijn hier vandaag bijeengekomen voor de zesde maal in het Paleis der Natie om Koningsdag te vieren. Dit jaar wonen hun majesteit de koning en de koningin deze plechtiging uitzonderlijk bij. Dank hiervoor. In 2006 vieren wij de 175ste verjaardag van de eetaflegging van de eerste koning der Belgen, Leopold I, maar ook de afkondiging van onze eerste grondwet en van de eerste parlementsverkiezingen. Dit jaar vertegenwoordigen koning Albert II, kroonprins Philip en prinses Elisabeth de dynastieke continuïteit van ons land. Het is de band tussen de monarchie en de grondwet die we hier vandaag in de verf willen zetten in het Paleis der Natie, een historische en symbolische locatie. Het is immers op deze plek dat de wetgevende macht wordt uitgeoefend en dat de koningen de eed afleggen. In de zogenoemde presidentiële en zelfs semi-presidentiële regimes geldt een personificatie van de staatsmacht die wij met het ontstaan van de constitutionele monarchie nu net wel bewust achter ons hebben gelaten. In de tweede helft van de vorige eeuw gewaagde de Franse politoloog Maurice Duverger daaromtrent van een republikeinse monarchie met zeer veel macht voor de weliswaar gekozen president die in de plaats is gekomen van de erfelijke monarchie. De rechten van de koning, zoals deze werden beschreven door de Engelse auteur Bergeot, in zijn English Constitution zijn drievoudig. The rights to be consulted, to encourage, to warn. Daarbij aansluitend wil ik hier herinneren aan het rapport Soenens, en de titel is bijna een programma. Commissie ermee belast een met reden omkleed advies uit te brengen
over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de koning en over de verhouding der grote grondwettelijke machten onderling. Dit rapport werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 6 augustus 1949 en blijft nog steeds zeer lezenswaard. Ik citeer er één zin van. Wanneer zij alleen de machten van de koning en de vraagstukken die eraan verbonden zijn behandelt, miskent de commissie geenszins de overwegende plaats welke de grondwetgever aan de wetgevende macht verleende. Onze grondwet is daarboven niet door de vorst geschonken. Zal de grondwet der Verenigde Nederlanden in 1814, waarvan de schenking ook door de monarch kon worden ongedaan gemaakt. Maar onze grondwet is één door Leopold I aanvaarde grondwet. In die omstandigheden is het niet verwonderlijk dat de nieuwe verkozen soeverein, Leopold van Saxen-Coburg, de titel van koning der Belgen en niet van koning van België heeft gekregen. Staat het buiten kijf dat de grondwetgever de overwegende plaats verleende aan de wetgevende macht, dan voeg ik er terloops aan toe dat het arbitragehof door de uitbreiding van zijn toetsenrepertoire met onder meer het gelijkheids- en het non-discriminatiebeginsel sinds 1989 zeer bewust is betrokken bij wat men noemt de beleidsafwegingen. Is deze evolutie er dan ook een van parlementaire soevereiniteit naar rechterlijke soevereiniteit binnen het kader van de grondwet? Wie weet. De situatie mag volgens mij niet worden overdreven. Het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel laten aan de diverse wetgevers een heel ruime vrijheid. Bien des aspects essentiels du régime parlementaire s'y faisait défaut dans la constitution initiale et certains n'y figurent toujours pas. Je cite entre autres la règle de confiance, la fonction de premier ministre, le rôle du roi tel que tout à l'heure défini, le rôle et le fonctionnement du conseil des ministres, la démission du gouvernement après les élections, la limitation des activités gouvernementales aux affaires courantes après une démission, les partis politiques. La Constitution, en effet, ne reconnaît pas non plus les partis politiques, ou plutôt, elle ne reconnaît pas explicitement, au contraire, par exemple, des constitutions allemandes, françaises, italiennes et espagnoles. Toutefois, chez nous, le système de la représentation proportionnelle qui est explicitement mentionné dans la Constitution, suppose nécessairement l'existence d'associations électorales présentant une certaine homogénéité, qu'elles soient idéologiques ou qu'elles reposent sur un programme politique commun, cette homogénéité est indispensable, à défaut de quoi la disposition constitutionnelle visée perdrait tout son sens. Concernant le droit coutumier constitutionnel, j'ajouterai très certainement à ma liste non exhaustive le rôle du formateur. Je soulignerai que cette fonction avait déjà été instaurée par Léopold Ier et qu'elle occupe depuis lors, dans notre droit coutumier constitutionnel non écrit, une place immuable. Certes, l'article 96 de la Constitution, notamment tel qu'il fut modifié en 1993 et entré en vigueur en 1995, a restreint quelque peu les prérogatives royales. L'article 96 dispose que la Chambre des représentants peut, à la majorité absolue de ses membres, proposer au roi la nomination d'un successeur au Premier ministre. Le roi nomme alors le Premier ministre proposé, qui prend ses fonctions au moment où le nouveau gouvernement fédéral prête serment. D'une part, le constituant a indéniablement voulu, en 93, que le Parlement et le gouvernement puissent aller plus facilement au bout des 4 années que compte la législature. C'est pourquoi l'on parle aujourd'hui de gouvernement de législature et de parlement de législature. D'autre part, il subsiste un bon nombre d'hypothèses, en cas de démission du gouvernement par exemple, où la décision quant à la tournure de la crise politique n'appartient pas directement à la Chambre, mais se discute encore en colloque singulier entre le roi et des responsables politiques. Tout gouvernement a cependant besoin de la confiance de la Chambre des représentants en fin de compte. De nombreux auteurs s'y ont remis en exergue quelques règles que je permets de vous citer qui régissent sur le plan fédéral le pouvoir exécutif. Le roi ne peut agir seul. Nul ne peut découvrir la couronne.
Toute parole, tout écrit, toute initiative du roi pouvant avoir une incidence politique requiert l'accord d'un ministre. Le roi ne peut mal faire. Le pouvoir exécutif est un et indivisible. Conformément à la dernière de ces règles, le pouvoir exécutif est un et indivisible, le roi et ses ministres ne se situent pas dans une relation d'indépendance réciproque. En 1849, le professeur Port de Vichère écrivait, je le cite, « En cas d'opposition de vue entre le roi et un gouvernement qui dispose d'une majorité solide au sein des chambres législatives, il appartient au roi, après avoir usé de tous les moyens de persuasion dont il dispose, de s'incliner devant l'avis de ses ministres. Concrètement, et selon l'expression d'André Molitor, le roi est donc amené à signer des décisions qui peuvent lui déplaire, mais qu'il a dû approuver parce qu'elles émanent d'un gouvernement jouissant de la confiance de la Chambre. In een grondwettelijke monarchie gaat men doorgaans uit van het principe dat de koning twee essentiële functies vervult. Die van de uitvoerende macht samen met de regering en die van staatshoofd. Enerzijds heeft de koning der Belgen door de uitoefening van daar straks geformuleerde bevoegdheden de mogelijkheid om de federale minister raad te geven en op bijsturing van het federaal beleid aan te dringen. Anderzijds, als staatshoofd, symboliseert hij de continuïteit in een pluralistische maatschappij en is hij de bindende kracht in een federale staat. De koning geeft aan een meertalige federatie een gezicht. En op de eerste koningdag in dit paleis heb ik erop gewezen, en ik citeer, dat naarmate de macht van de staat meer verspreid geraakt, België meer deel wordt van Europa en de maatschappelijke veelvormigheid groeit, de behoefte toeneemt aan één persoon, de koning, die eenheid zichtbaar maakt en de continuïteit waarborgt. Tot besluit citeer ik graag premier Wilfried Martens, die in zijn memoires Luctor et Emergo het volgende schrijft. En ik citeer Wilfried Martens. De monarchie is voor de Belgen zowel zelfsprekend geworden als haar belang als ultiem bindmiddel. Het wordt vaak onderschat. De monarchie is geen decorum. Er is geen ander staatshoofd mogelijk in België. Bovendien is het grondwettelijk schema waarbinnen de koning opereert zo delicaat en zo vernuftigd dat de beperkingen van zijn politieke invloed op natuurlijke wijze vormgeven aan zijn rol als scheidsrechter. Juist omdat de grondwet de koning onttrekt aan de politieke discussie en twisten, kan hij de autoriteit van de afstand verwerven. Bovendien symboliseert hij iets, en ik citeer Martens, waar ik alleen maar harmonie kan noemen, een zorg voor een land en zijn verscheidenheid. Mesdames, messieurs, nous célébrons aujourd'hui dans ce palais de la nation qui incarne la maison commune de tous nos concitoyens, notre attachement à nos institutions, et en particulier en ce 15 novembre au roi. Meine Damen und Herren, eine Monarchie, die die Verfassung gesegnet, grundsätzlich respektiert, ist der beste Garant für ein stabiles und starkes Belgien. In dem een zeer onschuldige gemeenschappen coexisteren. Die oude huldiging is dier allen, ook ik mocht mich ook om sprach, onze Duitse sprachige landsleuten machen, deren gemeenschap een aspect der kostbaarheid onze manvechtaligheid widerspiegelt. Depuis 175 ans, hier, la monarchie accompagne notre destinée. Puissions-nous, face à tous les défis que nous réserve le futur, faire en sorte que nos institutions rencontre toujours les aspirations de tous à vivre dans une société où chacun puisse s'épanouir harmonieusement. Je vous remercie. Sire, mevrouw, koninklijke hoogheden, waarde collega's en dames en heren. Ik wil mij vandaag eerst en vooral tot de koning richten, tot u, sire. Het is vandaag immers de eerste maal dat u in het parlement komt, sinds uw eetaflegging op 9 augustus 1993. En u besteeg de troon in moeilijke omstandigheden.
Het plotse overlijden van uw broer, koning Boudewijn, was voor u, voor de koninklijke familie, voor heel het land en voor de ganse bevolking een zware klap. En tijdens de 13 jaar van uw koningschap is heel wat veranderd. Ook voor uzelf, sire. U bent grootvader geworden van een grote familie. U heeft een aantal gezondheidsproblemen achter de rug. U heeft ook een aantal keren kortstondig in het ziekenhuis verbleven. Dat zijn allemaal gebeurtenissen die de kijk op het leven veranderen. Daar hebben we het samen al meermaals over gehad, maar het colloquium verbiedt me natuurlijk van daar verder op in te gaan. En al die jaren koning zijn van dit land is bovendien geen gemakkelijke opdracht. België is inderdaad een land van vele subtiele evenwichten. Evenwichten die gemakkelijk verstoorbaar zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik namens de hele bevolking spreek wanneer ik zeg, sire, dat u sinds uw eedaflegging elke dag opnieuw de koning van alle Belgen bent geweest. Een geliefde en een gerespecteerde vorst. En wat duidelijk is gebleken uit de enthousiaste opkomst bij de huldiging van de 10e verjaardag van uw koningschap en tijdens de festiviteiten rond 175 jaar België. Sire, madame, en ce jour nous mettons un point d'orgue à l'année festive 175 ans de Belgique, mais plutôt que de passer en revue les dernières 175 années, je préfère viser l'avenir. Le rôle joué par la Belgique pendant les dernières 175 années est suffisamment connu, je crois. Mais la question qui me préoccupe en ce moment est de savoir quel sera le rôle particulier de notre pays, de la Belgique, à l'avenir. Je suis en tout état de cause persuadé que notre pays peut jouer un rôle particulier, tant au niveau national qu'au niveau international. Et premièrement, au niveau de la diffusion de la pensée fédéraliste. Le chemin vers le fédéralisme en Belgique n'était pas toujours le plus simple et a accaparé beaucoup de temps et d'énergie. Mais à l'étranger, c'est avec une certaine admiration que l'on voit la Belgique comme un pays qui a donné de l'autonomie à trois communautés, à trois régions, sans que cela n'ait exigé des victimes, un pays aussi qui respecte les différences et la diversité sans perdre la richesse de l'ensemble. Et le travail n'est certes pas encore achevé, mais notre pays dispose ainsi d'une expertise susceptible d'être peut-être une source d'inspiration dans le monde entier. Chypre, les Balkans, pourquoi pas l'Irak, des pays où le fédéralisme pourrait apporter la seule solution possible aux problèmes actuels. Et bien que le fédéralisme puisse apparaître comme une construction complexe, il constitue, je crois, la seule manière de réconcilier la diversité entre langues, cultures, religions, et aussi de surmonter leurs oppositions. Et de nombreux pays ont peut-être longtemps eu un regard compatissant sur la Belgique et sa réforme institutionnelle. Or, bon nombre de ces pays accueillent actuellement le modèle fédéral parce qu'ils se sont réalisés que celui-ci constitue la seule solution permettant de maîtriser la diversité dans leur propre pays. Et forte de cette expérience, la Belgique pourra également remplir un rôle particulier, je crois, lors de la création d'une Europe fédérale. La diversité est la caractéristique principale de l'Union européenne. Et seule la création d'une union fédérale et politique des États-Unis d'Europe va nous permettre de jouer un rôle important dans le monde multipolaire de demain. Monsieur Paul-Henri Spaak avait parfaitement raison lorsqu'il disait que l'Europe ne comptait plus que de petits pays, mais que certains ne l'avaient pas encore compris. Et il est nécessaire de créer une Europe forte, fédérale aussi, afin de jouer le rôle de « force of the good » dans le monde et dans la politique mondiale. Notre expérience dans le domaine fédéral et nos convictions, sire, à ce sujet, nous permettent enfin d'être des multilatéralistes convaincus. Et ce, également au niveau international. Les deux années à venir, nous assumerons pleinement ce rôle
au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, et les défis lancés au Conseil de sécurité sont énormes. L'instabilité au Moyen-Orient, la progression du fondamentalisme, les essais nucléaires de la Corée du Nord, la guerre civile au Darfour, le spectre de l'Iran, pour n'en citer que quelques-unes. Maar ik wil vandaag van deze tribune gebruik maken om te benadrukken dat we in de Veiligheidsraad op de eerste plaats aandacht zullen opeisen en engagement zullen vragen voor Afrika. Wat er gebeurt of niet gebeurt in het Afrikaanse en op het Afrikaanse continent blijft in feite een grote schandvlek voor de mensheid. Van elke 5 kinderen die vandaag in Afrika geboren worden, sterft er 1 aan gemakkelijke geneesbare ziektes, aan honger of slechte voeding. Van de 4 kinderen die blijven leven zijn er 2 die moeten rondkomen met minder dan $1 of €1 per dag. En 1 van die beide kinderen zal nooit leren lezen, nooit leren schrijven of zal kinderarbeid moeten verrichten. In Afrika zijn er 10.000 kindsoldaten. In Afrika leven miljoenen wezen. En het is in feite een schande voor de mensheid, een schande die we de wereld moeten blijven voorhouden, totdat er ook maatregelen, meer accurate maatregelen dan vandaag, worden genomen. Maar sire, mevrouw, als we die bijzondere rol die ik zo even heb geschetst willen spelen in de toekomst, dan is het nodig dat we in ons eigen land natuurlijk verder werken aan de hervormingen die we ook de voorbije jaren op gang hebben getrokken. En dat is ook wat het Internationaal Muntfonds, het IMF, ons in haar jongste rapport voorhoudt, waarbij ze in het bijzonder de nadruk legt op de verbetering van de efficiëntie van onze staatsstructuur en de noodzaak dat alle entiteiten de volle financiële verantwoordelijkheid dragen voor hun beleidsdaden. En in dezelfde lijn moeten we ook verder werken aan de harmonieuze uitbouw van onze eigen federale instellingen. Het is nodig dat we, denk ik, de federale logica doortrekken, waarbij de Senaat omgevormd wordt tot een kamer van de gewesten en de gemeenschappen, zoals dat in elk federaal land het geval is. Sinds 2002 ligt hierover een voorstel op tafel en ik denk dat het tijd wordt om die noodzakelijke hervorming ook eindelijk door te voeren. En in die instellingen, sire, vervult onze monarchie een belangrijke functie. Een functie die, ik mag dat vandaag wel zeggen, al te gemakkelijk onderschat wordt. En een functie die u, sire, de voorbije 13 jaar op voortreffelijke wijze heeft vervuld. En sire, ik wil tot u daarom vandaag op deze bijzondere dag nogmaals een bijzonder woord van dank en appreciatie richten. Het is altijd moeilijk om in het openbaar over de band te spreken tussen de koning en de eerste minister en het respect dat er aan de grondslag ligt. Daarom wil ik u vooral namens al onze landgenoten bedanken en u en de ganse koninklijke familie nog vele koningsdagen toewensen. Sire, Madame, Altesse Royale, Mesdames, Messieurs, en vos fonctions et qualités, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Un des discours les plus décisifs qui a été prononcé lors de la naissance du Royaume de Belgique figure aux annales de notre pays. Ce fut le 5 juillet 1831. Un orateur avait pris la parole au milieu d'un tumulte et des critiques des membres du Congrès national. Il fut écouté pendant 2 heures et demie et retourna la situation. Le traité des 18 articles allait enfin être approuvé. La Belgique était sauvée. Le prince Léopold de Saxe-Coburg-Gotha pouvait ainsi accepter la couronne. L'Assemblée fit une longue ovation à l'orateur. Et comme on était à l'aube du romantisme, les députés s'embrassèrent un peu et pleurèrent beaucoup. Cet orateur brillant et ce négociateur habile s'appelait Joseph Lebeau. Ma ville de Huy s'honore de le compter parmi ses grandes figures locales. En cette fête du roi, nous voudrions tout d'abord, sire, vous dire à quel point le Sénat est fier de vous compter en ses murs, dans les murs de notre Parlement. Tous les sénateurs et toutes les sénatrices qui sont ici se joignent à moi pour vous remercier d'avoir accepté ce moment tout à fait privilégié que votre présence nous permet de vivre. Nous fêtons 175 ans de monarchie.
Et voyez-vous, moi, j'aime l'histoire pour construire l'avenir. Et j'aime bien connaître l'histoire pour bien construire l'avenir. Dames en heren, in 1830 is België met zijn revolutie niet erg welkom op het forum van de Europese Staten. Daar komt nog bij dat Joseph Le Beau en het merendeel van de oprichters van de nieuwe staat jong zijn en in de ogen van een ervaren man als Talleyrand als vrij onervaren overkomen. Koning Leopold de Eerste blijkt een behoedzaam staatshoofd en een uiterst begaafd bemiddelaar te zijn. Met talloze brieven en reizen slaagt hij erin het jonge koninkrijk België te doen erkennen en een goede verstandhouding te bestendigen tussen Parijs en Londen. Ten gunste van de vrede neemt hij alle mogelijke initiatieven, zelfs door prinselijke huwelijken, tot stand te brengen. De inspanningen die de stichter van onze dynastie heeft geleverd, hebben hun koninkrijk gekend in 1848, toen een golf van revoluties alle landen in Europa heeft overspoeld, behalve het onze. Ook de zoon van onze eerste vorst interesseert zich voor internationale aangelegenheden. De grote belangstelling die onze landgenoten opbrengen voor de toekomst van de Democratische Republiek Congo maakt ongetwijfeld deel uit van de erfenis dat hij heeft nagelaten. Ik stel daarom nu reeds voor dat een ruim thema als de Belgisch-Congolese betrekkingen aan bod komt tijdens een volgende gebeurtenis in het parlement, bijvoorbeeld in 2008, wanneer zal worden erdacht dat België 100 jaar geleden Congo heeft overgenomen. Tout jeune sénateur de droit, le futur Léopold II lance « Il faut à une grande cité de l'air et de l'espace ». Un début de son existence devint, selon ses propres termes, de laisser la Belgique plus belle. Il crée des espaces verts, trace de grandes avenues, comme celle de Tervuren, bâtit des bâtiments, l'arcade du cinquantenaire, construit les serres de la Kenne, aménage Ostende et le littoral, et n'oublie pas les populations ouvrières, dont il tente aussi d'aménager l'habitat et l'environnement. Notre deuxième souverain se distingue donc comme un véritable précurseur de l'urbanisme moderne et de la protection de l'environnement et de la nature. Leopold I en Leopold II betuigden beiden hun sympathie voor de Vlaamse taal en cultuur. Het is echter onder het bevind van Albert I dat op de verzichtingen van het noorden van het land voor het eerst concreet wordt ingegaan. Dat gebeurde in 1909 toen de nieuwe koning een toegewijd lezer van de grote Vlaamse schrijvers voor het eerst de grondwettelijke eed aflegde in het Nederlands, wat een positief en onuitwisbare indruk naliet. De vorst zou zich voortaan in het Nederlands richten tot zijn gesprekspartners in het noorden. In de modder van de loopgraven van de IJzer zou hij verwijzen naar het onrecht dat de Vlaamse soldaten is aangedaan, maar vooral naar de reële Vlaamse verzichtingen. Zo zou op 22 november 1918 de koning Ridder in zijn toespraak tot de Verenigde Kamers tijdens de historische bevrijdingszitting verklaren dat op taalgebied de meest strikte gelijkheid en de meest absolute gerechtigheid moeten gelden bij het opstellen van de regeringsontwerpen. Terzelfde tijd kondigde hij ook de vernederlandsing van de Gentse Universiteit aan, die door diverse ongelukkige omstandigheden nog zou uitblijven tot 1930. In datzelfde jaar ziet men hoe Albert I bij de onthulling van het monument van Guido Gezelle in Brugge gaat rechtstaan en groet tijdens de uitvoering van de Vlaamse Leeuw. Tijdens deze plechtigheid pleitte de vorst onder andere voor de versterking van onze nationaal bewustzijn door de wisselwerking en de rijkdom van twee zelfstandige culturen. Albert I en later ook Leopold III zullen zich gedurende een ganse bewind inspannen om onze eenheid in verscheidenheid zoveel mogelijk te behouden. Am 23 augustus 1939 richtte koning Leopold III
im Palast von Brüssel namens der 7 Mitgliedstaaten der Oslo-Gruppe einen pathetischen Appell für Frieden. Wird unser Kontinent Selbstmord verüben in einem furchtbaren Konflikt, das niemand weder als Sieger noch als Verlierer überleben würde, sondern in dem alle spirituelle und materielle Werte unseren jahrhundertlangen Zivilisation zugrunde gehen würden. Dezember desselben Jahres pries Paul-Henri Spaak in der Kamer der Abgeordneten die besondere Mühe, die sich seit vielen Jahren gibt, unser Land von den Schrecken des Krieges zu bewahren. Seine Bemühungen waren leider vergeblich und die nachfolgenden Jahre waren bestimmt eine schwere Periode für die Welt und im Besonderen für Belgien und seine Monarchie. Pendant l'après-guerre, durant l'immédiate après-guerre, s'est posé avec acuité le problème du logement social. L'année qui a suivi la prestation de serment du roi Baudouin, il s'est rendu incognito dans les Marolles bruxelloises et y visite une vingtaine de familles qui vivotent dans les taudis de notre capitale. Cette démarche constitue le point de départ d'une nouvelle politique de logement. La sollicitude du roi Baudouin pour les défavorisés, les faibles, les exclus marquera son long règne, ainsi que l'ont démontré toutes les actions qui ont été entreprises et je dois saluer particulièrement aussi, madame, votre présence aujourd'hui parmi nous, car vous avez été en cette matière une inspiratrice d'excellent niveau que nous avons toujours énormément admirée. L'émotion fut à son comble lors de ses funérailles, quand une jeune Philippine, bouleversée, ne put donner elle-même la lecture de son témoignage. « Il m'a écoutée », a-t-elle dit, « et nous avons tous perdu un ami ». 2 ans plus tôt, le roi s'était en effet soucié, et j'en suis témoin, de la question de la traite des femmes et s'était rendu lui-même au centre anversois Payok de Patsy Sorensen. Lors du 25e anniversaire de son règne, il refusa tout cadeau personnel. C'est ainsi que naquit la Fondation Roi Baudouin, qui continue à œuvrer pour une société meilleure et jette des ponts entre francophones et néerlandophones, comme entre communautés et régions. De plus, cette fondation a acquis une réputation internationale grâce au lancement du prix Roi Baudouin pour le développement. Et les sélections qui ont été faites montrent à quel point ce prix a acquis une place sur la scène internationale qui est une place de toute première catégorie. Dames en heren, tegen de achtergrond van het 175-jarig bestaan van de monarchie wil ik tot slot de aandacht vestigen op de dienstbaarheid van al onze vorsten, maar ook van hun echtgenotes, die evenzeer hebben bijgedragen aan de uitstraling van het land. De koningin Louisa en Maria Hendrika speelden ook een belangrijke rol samen met hun echtgenoten, in het bijzonder koningin Elisabeth, zelfs een talentvol violist, nous avons eu un pianiste aujourd'hui, leverde een belangrijke bijdrage aan de faam van de Belgische schrijvers, schilders en muzici. Ook ligt zij aan de basis van het vermaard internationaal muziekconcours dat haar naam draagt. Van het tekorte bestaan van koningin Astrid blijft het beeld in ons geheugen gegrift van de kleren en de levensmiddelen die naar het Bellevue-paleis worden gebracht om gehoor te geven aan de oproep van de koningin, een initiatief dat in volle economische crisis tot stand is gekomen. Mesdames, messieurs, telle est la signification d'une dynastie qui implique non seulement un souverain, mais aussi toute une famille. Le Premier ministre a souligné à quel point, pendant la période récente, vous êtes devenu aujourd'hui grand-père d'une très grande famille et tous les membres multiplient aujourd'hui missions, œuvres et initiatives diverses. Et si je devais donner le calendrier du Sénat, eh bien vous verriez que presque chacun des membres de la famille royale a à son agenda une activité dans le mois qui vient. En 1832, Sir Talleyrand exprimait ainsi son scepticisme. Les Belges, ils ne dureront pas. Cette Belgique ne sera jamais un pays, ça ne peut pas tenir. Et 174 ans plus tard, ce pays, petit, assure la présidence de l'OSCE et se prépare à siéger brillamment, j'en suis sûr, en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'histoire aura donc donné raison à Joseph Le Beau, qui, dans son plaidoyer en faveur de la monarchie, déclarait devant le Congrès « Ce dont je suis convaincu, c'est qu'il n'existe pas un peuple au monde qui réunisse à un plus haut degré que le peuple belge le bon sens et la moralité. »
À propos du bon sens, il s'indique de songer à l'avenir. Si notre pays a aujourd'hui conquis sa place sur la scène internationale, une réflexion s'impose sur le plan fédéral, d'autant plus que les réformes institutionnelles devront faire l'objet d'une évaluation et d'une adaptation que j'espère aujourd'hui prudente. Car le blocage institutionnel qui résulterait de réformes mal ajustées à nos réalités est notre plus grand risque. La prudence s'impose donc, et celle-ci se matérialise certainement par un bicaméralisme moderne et efficace. Je salue ici l'appel au bon sens, lancé la semaine dernière par de nombreuses personnalités belges dans le sillage du livre de Rudy Arnout, économiste et philosophe, qui fut longtemps chef de cabinet du ministre de l'économie wallon, puis fédéral et flamand. Cet ouvrage intitulé « Wallonie-Flandre, je t'aime, moi non plus », encore une référence à Gainsbourg et à la musique pour ceux qui aiment Gainsbourg, dissèque la situation économique de nos deux grandes régions et procède à des prospectives jusque 2050. L'auteur formule ce souhait. Si l'on parvenait à dépasser les clichés et à conclure chacun à partir de son identité propre, que l'union fait la force, on pourrait ensemble se battre pour défendre notre position dans un monde globalisé. Ensuite, il insiste sur l'importance de perfectionner notre système original fédéral belge grâce à la collaboration et à la subsidiarité. En conclusion, son propos reprend presque mot pour mot un propos d'Albert Ier. La Belgique se situe à une croisée rare au monde, là où se rencontrent les cultures romanes et germaniques. Que cela ne constitue pas le motif d'un croisement d'épées, mais soit plutôt source d'enrichissement personnel, culturel et économique. Notons encore que de nombreux pays envient cette capacité que nous avons d'assurer une cohabitation, le plus souvent sereine, entre les cultures et les enjeux parfois si différents. Meine Damen und Herren, sind wir uns der Chance, die wir haben, Belgier zu sein, auch bewusst. Lasst uns an diesem Jahrestag mehr denn je stolz zijn op België en zijn monarchie. Dames en heren, beseffen we wel welk geluk we hebben Belg te zijn. Op deze herdenking mogen wij meer dan ooit trots zijn op België en op zijn monarchie. Sire, madame, la famille royale le sait, nous avons parfois quelque audace dans cette cérémonie à l'occasion de la Brabançonne. Nous l'avons eu présentée par Toots Thielemans, nous l'avons entendu chanter par Axel Rett, et aujourd'hui nous allons encore, si vous le permettez, vous faire une surprise. Je voudrais présenter brièvement Jo Lemaire. Née à Gembloux, elle fit ses premiers pas dans la chanson en fin des années 70 avec le groupe Jo Lemaire et Flouze. Après trois disques d'or et une petite pause à sa carrière, Jo Lemaire se lance avec succès en France, aux Pays-Bas, en Suisse, au Canada, où elle fut plusieurs fois invitée à se produire au Festival de Montréal et de Québec. « Apart restem en timbre » résulteerde reeds meermaals in samenwerking met symfonisch orkester met de dirigent Dirk Brossé voor een aantal exclusieve uitvoeringen. Onlangs stond ze nog met José Van Damme op de scène. In 2001, c'est tout un programme, werd haar CD Flagrant Délice volgens de pers als de beste van haar loopbaan bestempeld. Jo Lemaire, die bijna alles zelf componeert, niet de Brabançonne, alles zelf componeert, kan echter alle stijlen aan en gaat van ballade tot swing, van kerstliederen tot jazz. Avec votre permission, sire, madame, je vous prie d'exécuter, si je puis dire, la Brabançonne. Landen waren, onze ziel en ons hart zijn u gewijd. Aanvaard ons kracht en het bloed van ons aderen. Wees ons doel in arbeid en in strijd. Bloei Holland in eendracht niet te breken. Wees immer uzelf en ongeknecht. Het woord getrouw dat ge onbevreesd mocht spreken. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Voor vorst,
Voorheid. Voorwaard, voorheid. Noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie, nous le jurons tous, tu vivras. Tu vivras toujours grande et belle, et ton unité immortelle aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. O Belgium, teure Mutter, dir gehören unsere Herzen, unsere Arme. Dir gehört unser Blut, Vaterland. Du bist immer Leben, groß und schön wirst du immer leben. Und der Wahrspruch deiner Einheit versprechen. Königrecht und Freiheit, für Königrecht und Freiheit.